Dans la vision que nous avons de l'évolution, nous prenons le mode disruptif, donc de voir par un autre prisme et de penser autrement. Et donc, ce qui nous permet de penser un système de demain et non penser un système, la mise à jour d'un ancien système avec les anciennes méthodologies, aussi bien de développement que de construction d'infrastructures. Je suis Benito Diz, directeur des systèmes d'information de Veolia Eau France. Veolia Eau France est une société de distribution d'eau, de dépollution et de valorisation des eaux usées pour les collectivités et les industriels. C'est une société qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires, qui a 8 millions de clients en B2B2C. Veolia Eau France, ex-Compagnie Générale des Eaux, est une société qui a 160 ans. Pour le cloud, nous avons cherché des solutions cloud privées fournies par certains providers avec des méthodes de démarrage et de mise en place très structurées, très fermées. Et nous avons opté le choix d'AWS du fait que c'était assez ouvert et ça nous permettait de construire nos data centers virtuels et nos systèmes comme nous le désirions, sans contrainte. Voilà pourquoi nous avons choisi AWS. Le fait que le marché de l'eau en France évolue, que les demandes des clients sur des nouveaux reporting, des nouveaux besoins sont de plus en plus pressants, les solutions de type AWS permettent de mettre en place des solutions de manière agile et rapidement, ce qui n'est pas le cas avec les solutions traditionnelles. Nous avons monté le choix des technologies AWS en mode projet avec la décision de faire une vraie infrastructure data center virtuelle. Donc avant de migrer quelque application que ce soit, avant d'installer quelque application que ce soit, parce qu'il y a aussi bien de la migration que du départ en direct sur AWS, nous avons monté toute une structure organisée de data center virtuel avec des environnements de prod, de pré-prod, de recettes, de formation et de développement, et tous ces environnements ont été mis en place à l'état de l'art, aussi bien au niveau structure d'un data center qu'au niveau sécurité. Le principe est de créer des data centers virtuels pour tout migrer dans le cloud et se séparer des CAPEX et donc des infrastructures physiques. L'application que nous avons sur Mainframe s'appelle Gestion Nouvelle, sauf qu'elle date des années 70. Et nous sommes en train de la replatformer tout simplement pour réduire les coûts, faire une division par 10 des coûts de run. Elle gère toute la relation client et toute la facturation des 8 millions de clients. Voilà, le fait de la replatformer nous permet de proposer de nouveaux services autour et de rajouter des couches digitales sur un système où historiquement ce n'était pas possible de faire évoluer. Alors Veolia Eau France a une DSI qui est toute jeune, qui a quelques semaines. Pour éviter des discours incompréhensibles entre le business et l'informatique, nous avons aussi formé le business à AWS. Aujourd'hui, sur nos applications de gestion clientèle et de facturation, nous sommes sur des environnements partagés de gros systèmes CICS et MVS avec du time sharing de temps CPU. Ce système a besoin d'augmenter en capacité processeur à chaque période de facturation. Globalement, ce système nous coûte aujourd'hui pour le périmètre de Veolia Eau France 1,5 million par an d'euros. Et a été estimé par rapport aux règles de calcul d'AWS à 150 000 euros par an sur une infrastructure transactionnelle qui a été reproduite à l'identique avec des outils modernes sur AWS.